Dans Surat Ar-Ra'd, ayat numéro 14, et maintenant en garde. Ya ayyuhalladhina amanu uzbankira iman. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum. Certainement, parmi vos bandes époux ou bien épouses, parmi vos bandes partenaires, et aussi parmi vos bandes enfants, aduwwan lakum est non l'ennemi pour vous. Parmi vos bandes époux ou bien épouses, vos bandes partenaires, et parmi vos bandes enfants, est non l'ennemi pour vous. Fahdharuhum, alors prends précaution avec vous. Fais attention avec ça. Alors, nous savons qu'on fait tafsir ça avec le Coran. Je dis, en réalité, ce n'est pas partenaire là, époux, épouse, ou bien son enfant là, lui-même qui est l'ennemi. Non. Mais c'est Shaitan, nous l'ennemi déclaré, Adou Moubine, qui manipule sa bonne personnalité là, qui manipule sa bonne individu là. Et fait aux autres agir, comment dire, par l'ennemi pour nous. Donc, quelle façon? Donc, influence-nous. Donc, influence-nous pour nous aller vers désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, influence-nous pour nous faire une petite chose qui est haram. Alors, mes enfants peuvent dire moi ça. Mes enfants peuvent dire ça avec moi. Mais qui fait mon travail? Qui fait mon réintégrer ma tête en tout? Mon père être sur la casse? Mais la cause, c'est bien d'être même. La cause, me donner tout facile. Mais il peut rôder. Mais donne-lui. Même Allah pas peut satisfaire avec ce que mon père donne-lui. Non, mes enfants là peuvent rôder. Ils peuvent pleurer. Que ce l'homme peut couler. Mon pas carguer que ce l'homme couler. Donne-lui. Combien de fois autant de parents disent ça? Combien de fois autant de parents raisonnent comme ça? Mes enfants là, pérodés, qui vont me laisser pleurer, me donne libre, il reste tranquille. Même vous pouvez donner ce qui est haram. Même vous pouvez détruire son dîn. Même vous pouvez détruire son l'avenir dans sa dunya et dans l'akhirat. Parfait, non rien. Pour vivre, ou peut travailler pour faire son plaisir, ou peut travailler pour donner libre, ou donner libre. Nous témoignons quelques jours de cela. Parents là peut dire, peut pleurer avec les enfants là, il peut dire, tout ce qui te dit, moi, je fais. Tout ce qui te demande, moi, je donne toi. Un des bannes plus grands errés qui parent faire ça. Un des bannes plus grands errés qui parent faire ça. Et je tape l'estomac pour je dire ça. Tout ce qui mes enfants tout ce qui mes enfants demandent me donner, tout ce qui mes enfants rodent me donner. Tape l'estomac de dire. Quand il y a le regretter, quand il y a un trou sur conséquence, il y a pleurer. Quand il y a un trou sur conséquence, il y a pleurer. Ou pas supposer dans nos enfants tout ce qu'il y rodait. Non. Mais aussi poser dans nos enfants tout ce qui est bon pour lui. Tout ce qui est bien pour lui là-dedans. Tout ce qui est pour profiter de son dunya et de son akhirat. Ça qui vous supposez de lui. Et ou pas supposer de tout ce qui lui redit. Parce que bien souvent, les enfants arrivent pour autre qui chose qui. Parce qu'il ne connaît pas lui. Il m'assume lui. Il ne connaît pas lui. Il peut croire ça pour bon pour lui. Il peut envie ça qui chose là. Mais seulement en réalité, il n'est pas bon pour lui. Aux parents, aux matures. Vous connaissez où?